Ça y est, c'est enfin le jour J. Noël, c'est maintenant. Enfin là, ça va être le réveillon et demain, c'est Noël. Donc je vais vous emmener avec moi dans ma famille, maternelle pour le réveillon et paternelle pour le Noël. Là, faut que je commence à mettre les cadeaux dans la voiture. Il y a un truc, je sais pas comment je vais pouvoir l'emballer. C'est ça, regardez. C'est un miroir soleil que j'ai fabriqué pour ma mère. Je ne sais pas comment je vais l'emballer, donc je pense que je vais mettre un petit papier bulle sur le miroir histoire d'eux et je vais le caler entre deux plaques de carton, on verra bien ce que ça donne. D'ailleurs, pendant que j'y pense, faudrait que je vous fasse une vidéo DIY pour vous montrer comment on fabrique ce genre de miroir soleil. Du coup, je fais un emballage de dernière minute pour le miroir soleil. Je suis trop dégoûtée. Il était tout neuf. J'ai dit putain, ça fait deux fois que je le porte, il s'est toujours pas troué. Et bam, un coup de bague. Je suis grave à la bourre, j'étais censée y être pour 19h30, il est déjà 19h40, toujours pas partie. C'est moi ou plus les années passent et moins les maisons sont décorées pour Noël. J'avais rendez-vous à 19h30 chez ma famille, il est 20h10 et tellement ils ont l'habitude que je suis en retard, bah en fait ils m'ont même pas appelé sur la route pour me dire t'es où parce qu'ils savent très bien que je vais arriver en retard. Mais du coup je me pose la question, est-ce que le vrai rendez-vous était à 20h et qu'ils m'ont dit 19h30 pour être sûr que je sois à 20h ici? Il y a Zozo. Coucou Zozo. Coucou bébé. Comment tu vas? Voici Pinto. Coucou mon neveu. Viens voir maman mon bébé. Maman Nanélie. T'as grossi. T'as grossi bébé. Viens voir ma fille, c'est maman. Viens voir maman mon bébé. Nelly. Oh, t'es trop mignonne. Coucou Eden, c'est là que tu te caches, tu sais que mamie elle te cherche. Enfin, arrière mamie. Ça va mon fils. Dans cette famille, il y a 4 générations. Moi, ensuite il y a ma mère. Ensuite il y a mamie. Voilà, il y a mamie. Et après, il y a grand-mamie. Il y a petite mamie qui va fêter ses 100 ans le 18 mars prochain. Non, le 21. Le 20, le 19, voilà. Le 19 mars prochain. Ouais. Dis bonjour, petite mamie. Et voilà. Elle va avoir 100 ans dans quelques mois. Et elle a toutes ses dents. Bah dans 3 mois. Dans 3 mois, et elle a toutes ses dents. Je suis en train de dire à ma mère qu'elle a grossi. Elle le prend mal. Des fesses. Mais t'es mieux comme ça, je trouve. Sophie, arrête, il te dit des conneries. Il m'a fait pareil pendant toute mon enfance. Tous les ans, il sait la même chose, il t'emmerde. Mais moi, je te trouve mieux comme ça, maman, j'aimerais bien voir tes fesses. Dans cette famille, t'es toujours obligée de parler de chat. Et puis là, des fois, elle vient le sentir près, comme ça, ou avec la queue, comme ça, voilà. Et puis, des fois, il la regarde. Oh mon vieux, alors Hercule, puis elle fait son truc, mais lui, il s'en occupe pas. Puis l'autre fois, elle était... Toujours en train de parler de chat, on a tous des chats dans la famille. Tous. Je crois que mamie a trop bu. Parce que mamie a dit, elle était en train de ranger les trucs. Et maman, enfin ma mère, elle me dit, elle lui dit, tu veux de l'aide? Et elle lui raconte. Non, parce que là, je vois en double. Et puis oui, elle est assez joyeuse. Danao pêche abricot, clairement la meilleure boisson du monde. Merci. Tu t'invites à la table et tu te fais nourrir par tout le monde, bébé? C'est interdit, c'est interdit. Vous êtes bien bougou, quelqu'un qui aime ta sœur. Pas dit champignon. Kiki. Non, Kiki, Kiki. Oh, Kiki, sors de la table. Descendez-le de là. On n'est pas dimanche. Mon bébé. Allez. Oui, c'est mon bébé. Allez, viens, mon cœur. Il esquive. Il m'esquive. Je me suis juste levée pour prendre ma sauce. Il a pris ma place. Kiki, tu me rends ma place? Bon, bah j'ai changé de chaise. J'en ai pris une autre. Bah, Kiki. Ah bon? Eden. Hein, Kiki? Oh.
Je pense que c'est le bien où ça tombe. T'es pas un chat, toi, bébé. Mais mieux, c'est de pas aller sur les réseaux, tout ça. Comme ça, t'es pas emmerdé. C'est un chien, ça. Qui veut les donuts? Le mieux, c'est de pas entendre. J'ai mon kiki, ça, c'est mon idée. Elle cherche à faire partir le chat sous le lit. Où c'est qu'il est? Merde, dans le coin gauche, il a dû se mettre. Ah, faut pas lui. J'en ai marre, hein. Il va falloir qu'ils disent où, là. Ah, il arrive. Il arrive. Il est là, il est parti. Maman Zozo. Ah, putain. T'as pas le droit d'être là. C'était ça où il passait dans le tuyau de l'aspirateur. Maman Zozo. C'est merdant, parce qu'il y a la queue, ça. Regardez, ça, c'est son doudou. Regardez ce qu'il continue de téter. Et ben voilà. Il est dégueulasse. Regardez l'état du doudou. Tous les endroits où il a tété, avant il était nickel, avant qu'il se mette à téter. On dirait qu'il a été cramé le truc. Avec Sophie pour le show. Ouais, j'en ai chié. Ah ouais. J'en ai chié. Quand même. Merde. J'ai fait une bêtise. J'avais zappé. Oh. Ma chérie, je suis désolée. Je voulais te faire un bisou. En plus, la toute blanche. J'ai voulu sentir les pages vives pour voir comment ça sentait. J'ai foutu du rouge à lèvres comme une con. Et ça s'enlève pas. Du coup, là, je viens de rentrer chez moi. Donc, on se retrouve demain, enfin, façon de parler, pour le jour de Noël. Hello! Du coup, on se retrouve le lendemain de Noël. Je suis habillée comme ça. Et je vais mettre des talons parce que là, je suis toujours en chaussons. Et on est à la bourre aussi, comme hier, hein, du coup. Parce que techniquement, j'avais rendez-vous. Ah merde, je me baisse trop. Techniquement, j'avais rendez-vous. On devait être avec mon père à midi. Mais le retard, cette famille. Il est 12h34, on est toujours pas parti. Tout le long de l'année, on rentre toujours par la cuisine. Et c'est uniquement pour Noël qu'on rentre par cette porte-là. La vraie porte d'entrée. Regarde-moi. Cadeau. Tu veux quoi? Je pensais que j'étais nulle en emballage, mais en fait ma soeur elle me dépasse. Oui? Même. Non, dans l'autre sens. Maintenant, on va faire ça, ma soeur. Plastique, faut pas grossir. Alors j'ai eu ce sac parce que j'ai plein de sacs, mais le problème c'est que j'avais pas assez de rangement à l'intérieur, genre j'avais qu'une petite poche, tu vois. Donc là il y a plusieurs poches. Une palette Huda Beauty, la Desert Dusk palette. Des talons marron, j'en ai qu'une seule qui est marron, là comme ça m'en fait deux. Un rouge à lèvres rouge, je vais vous l'ouvrir. Il sent la cerise. Il est hyper crémeux à l'application et en ce moment je suis fan du rouge à lèvres rouge. Des Smarties, ça fait tellement des années que j'en ai pas mangé, pourtant j'adore ça, mais ça fait des années que j'en ai pas mangé. Les fameux Ferrero Rocher. À chaque fois que je les finis, je réutilise la boîte, c'est pratique. Les M&M's. Jouer à un jeu comme ça, c'est-à-dire que, genre, tu regardes pas en fait, tu dis à quelqu'un par exemple, dis une couleur, donc par exemple bleu, imaginons. Et si je tire le bleu, il doit me donner un gage. S'il a perdu, je dois lui... Enfin, tu sais, il y avait un truc comme ça qu'on faisait. Je sais plus ce que c'était, mais je l'avais inventé. Et, ou peut-être qu'il y en a d'autres qui ont eu la même idée, mais voilà. Et donc voilà, donc Nemnems. Bon, du coup, ça, c'est pratique. Mais avec la palette Huda Beauty, du coup, j'ai eu 20% à utiliser chez Sephora. Donc ça, c'est cool. J'ai eu ce manteau aussi. Hop.
En fait, petite anecdote, à la base, ce manteau-là, c'est ma sœur hésitait entre ce manteau et un autre manteau. Je sais pas si vous me voyez. Entre ce manteau et un autre manteau. Et on lui dit, bah franchement, l'autre manteau, il te va de mieux. Et au final, je me dis, mais par contre, celui-là, c'est vrai qu'il est beau quand même. Du coup, je dis, bah Julie, ma sœur, tu peux me le prendre. Du coup, ils me l'ont pris, etc. Et là, c'est trop bien, c'est que c'est mout mout à l'intérieur. J'ai eu aussi cette petite veste. Bon, là, avec, j'ai le gros pull, donc voilà. Mais j'ai eu cette petite veste que j'ai que des vestes de couleur. J'ai que des vestes noires, il me fallait des vestes de couleur, tu vois. Ce cache-cœur aussi. Parce que j'ai toujours que des écharpes, tu vois. Mais j'ai jamais eu ça. Et j'avoue que la matière, elle est trop mignonne. Et puis, j'adore le moutarde en ce moment. Ce pancho aussi, couleur moutarde. Je trouve que ça donne grave un style, j'adore. Ce pull bleu marine aussi, qui fait chauve-souris, là. J'adore. Il est court, il peut être long, comme ça. J'aime bien comme ça. Ça donne un peu un style et tout. Mon parfum préféré, Amor Amor, de Cacharel. Un Chromecast. Alors ça... Il faut savoir que j'en avais acheté un sur Amazon et quand je le branchais de... Donc en fait, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est, tu le branches à ta télé, tu connectes ton téléphone dessus, si t'as envie de regarder des films via ton téléphone, genre YouTube ou même n'importe quoi, en gros, ça rediffuse l'image de ton téléphone sur la télé. Et en fait, j'en avais acheté un, sauf qu'on entendait le son, mais on voyait même pas l'image de la télé. Je dis, bah, super. Du coup, j'avais trop envie d'en avoir un. Et c'est mon beau-frère qui y a pensé qu'une fois j'en avais parlé, qui du coup me l'a pris. J'étais contente. Des anneaux en argent. Ma sœur me les avait offert l'année dernière, parce que j'adore les créoles en fait. Et ma sœur, enfin les créoles, ouais. Non. Parce que ma sœur l'année dernière m'en avait offert, sauf que quelques mois après je les avais cassés, genre ils étaient dans mon peignoir. J'ai voulu les prendre et en fait, pour mettre dans le trou de l'oreille, il s'est crocheté dans le peignoir. Je fais bah viens et pouf, cassé. Je suis merde, putain. Donc voilà. Et des petits chaussons avec de la moutmout à l'intérieur. Feel cool. Et après il y a de l'argent, mais ça je vous montre pas. Alors j'ai moins filmé pour le jour de Noël que pour l'autre jour parce qu'on était plus à genre être entre nous etc machin et que donc bah voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Lâchez un like si ça vous a plu, abonnez-vous parce qu'il n'y aura pas que des vlogs, il y a de tout en fait ici, clairement il y a de tout. Dès que j'ai une idée, pouf, je la fais. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez reçu à Noël. Voilà, sur ce je vous fais des gros bisous, abonnez-vous à mon Instagram, enfin mes réseaux sociaux, quoi, tout est en barre de description et voilà, bisous. Ciao! Et encore joyeux Noël! Mamie, on peut tenir? T'as juste à le tenir, j'ai tout fait. T'as juste à le tenir et je te. Voilà, attends. Mets-toi. Oh, j'ai touché à quelque chose là, il y a quelque chose qui a tourné, là, ici. Non, c'est bon. Ça clignote. Vas-y. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut juste que tu me montres. Là, c'est le petit bois. Et ça prend tout seul? Oui. À passer tout seul? Ça n'a pas pris là? Si, il y a rien. C'est que ça filme. Bon. J'ai pas ça tous les jours. C'est bon. Une journée, je... Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou.